Ok, on doit être heureux. Une question. Il te manque quoi comme armure, Plesiote? Les bras. Il me faut juste. Non, mais il faut juste une palmure de Plesiote, c'est tout ce qu'il me faut. Seul, ça suffirait dans ce cas. Enfin, bon. Pas forcément, je préfère en faire 3 pour être sûr de choper un peu de tout. Si j'en fais un seul, il y a des chances que je chope pas de, de palmure. Ouais, Et le tout seul, il a beaucoup plus de vie que les 3 petits pourris là, donc. Je préfère me faire les 3 quoi. De faire. Ouais. Pourquoi ça lance pas la vidéo là de mon côté sur le. Bon, c'est bon, ça y est. C'est bon. Avec un peu de chance, ça se devrait. Les gens du live ont bien entendu que tu fais te les faire, hein. Bah, nous on est tombé directement dessus, comme d'hab. Et moi je suis complètement à l'opposé, comme d'hab. Oui, alors ça. Je suis roi du monde! Oh. Bah. Ah, il est là, mon copain. Ah, il y a mon copain poisson. Ce qui est bien avec les pilotes, c'est qu'ils sont tellement grands que l'arc, vous pouvez leur mettre facilement des statues dans la face, quoi. Vous voyez? Ah, j'ai mal. Ah si. Ah, c'est un peu spécial en fait la grosse flèche. Sous l'eau j'ai la grosse flèche, je sais pas pourquoi mais. Non, mais il est toujours empoisonné en fait. Merde, j'en voyais trop. Ah, mais je suis en train de faire de la merde là avec mes ondes de vie, putain. Donc dites-moi si c'est un peu mieux au niveau du stream. Hein. Voilà. Combien de temps? Focus. On a mis 2 minutes 30 à le tuer. Ça va. Ça va, non? Record battu. Essayez de lui péter les ailes si vous pouvez, hein. Putain, je récupère des paires de wyvern à mort dans cette quête. T'as des ailes. Ouais, mais je les ai pétées, hein, les ailes. On les a pétées. Ah, peut-être. Ok, merci. Génial. Truc qui me s'arrête. Je veux juste des crocs, moi. Je veux 3 crocs et après ça me va très bien. Des crocs loin de partir. Moi, je les ai tous utilisés pour des ressources. Oh, regarde, c'est une morphale de la roche, quoi. I believe I can swim. Découvrant que tu viens de me faire utiliser ma pioche pour rien, oui, là, en fait, avec tes conneries. Et qu'elle aurait pu se péter et que j'aurais même pas eu reçu l'objet à cause de toi. Que tu es au courant, simplement. De ça. Hmm là. Il est là. Je l'entends. Ah, il est là. Bon, voilà. Léo, à chaque fois, avec son gros truc, là, il me touche tout le temps. Truc explosif, je sais pas ce que c'est. C'est le feu de wyvern. Il m'a touché 3 fois sur 3.
pourquoi ça, j'ai l'impression qu'il rebondit mon... mon arc sur lui là. Tous sur les palmiers. Ouais, sur les ailes, ouais. Ouais, ou c'est nageoire. C'est bizarre ce qu'il a en fait. Vas-y, bâtard, dégage. Oh, bordel. Oh, j'en me le suis pris. Waouh, quel plongeon magnifique. Il devrait participer au JO, lui. Ah, la blague. Arrête, c'est ce plongeoir sexy et tout, attends, oh. Merde, putain, j'ai visé la moitié à côté. Bien, 20 minutes que j'ai pas regardé le chat quand même. Déjà ? Et celui-là, on a mis combien de temps ? Ah, celui-là, on a mis 2 minutes speed. Ah, l'autre, on fait 1 minute 30. On peut essayer. Salut aux nouveaux arrivants. Ça va, il n'y a pas eu de lag là pendant le monstre du coup, parce que j'ai pas vraiment regardé. Bon, ben moi j'aurais eu lui et Kai, pas mal. Et je crois que j'ai jamais enchaîné ça. 8 et Kai, j'ai eu rien d'autre. Merci le PlayStation, merci. Non mais Link, toi je ne t'écoute plus, tu me dis qu'il n'y a pas de lag quand il y a du lag, alors... alors je ne t'écoute plus. Ah, j'ai plus de respiration. Bah... Où c'est qui va réapparaître? Moi il devrait être plus ou moins par là. C'est un petit enduit cac là. Ah là, il est là. Mais non. On commence à 43-10. Voilà combien de temps on va mettre pour tuer. Oh, le feu de Weaver dans la face et tout. Il a même pas pris dans la face. Mais ah, je le touche même pas. Ah, mais mauvais, mauvais comme tout. Allez, là, dans la tête. Hein. Il est en train de prendre cher là. Merde, pas assez haut. Bon, je vais arrêter de faire ça en fait. Ça marche pas très bien. De quoi? Il a fait changer de nom, on va le faire. Mais il attaque en arc, tout l'eau, c'est pas possible de regarder. C'est hyper. Putain, elle est super chaude à placer là. La maxi flèche. On a mis... Ah, on a mis 1 minute 45. Oh, ça va, on a fait mieux. Non, on a mis 1 minute 40 même. Ah, pas mal, on s'améliore. Au prochain, 1 minute 20. Ah, on va ensuite en jouer avec les écailles. J'espère que j'aurai de la palmure. Je suis rang 4 toujours. Oh, une tête. Ah, ça semble l'honneur. J'ai rang des cailles et une tête. Bon, je défie quiconque d'essayer de me faire voler quand j'ai un lance-flingue dans la main. On va essayer de passer rang 5 là tout à l'heure.
Voilà, voilà. Fallait juste que je récupère une palure pour augmenter mon armure en fait. Et. Ça sera good. Là, si j'ai pas de palmure, mais comme je pète un câble. Mais normalement, là, j'en devrais en avoir au moins une. On lui a pété les ailes à celui-là. Il se fait dégommer la tronche. Il est rang 4. Moi, j'ai eu deux palmures perso. Moi aussi. C'est bon, j'ai ce qu'il me fallait. Je suis content, je peux terminer mon armure. Du coup, je vais pouvoir aller peut-être un peu optimiser mes trucs en tant qu'artilleur. Une fois améliorer mon arme, j'ai eu 4 crocs dans mes récompenses. Ouais, 11 écailles, génial. Alors, les écailles, je peux te dire direct qu'on va aller à l'avance. Alors, elles sont où? Cette équipe d'écailles, elle se casse. Bon, je les vendrai tout à l'heure, je les trouve pas. Elles sont planquées, elles sont bien planquées. Ou pas, bon. Je les trouve pas les écailles, je vous jure. Je vous jure, je sais pas où elles sont. Elles ont parlé de bandits. Voilà. Ah c'est bon, je les ai trouvées. Regardez-moi comme je suis trop swag. Regardez-moi ça. Carte de guilde. Et voilà. Voilà, on voit pas trop les avant-bras, mais les avant-bras, ils sont... Voilà, ils sont comme ça. C'est vraiment dégueulasse comme... comme armure, franchement. Dès que je peux, je me la change. Hein. C'est pas mal parce que j'ai quand même encore récupéré deux pierres de Wyvern. C'est une excellente quête pour ça. Pierre de plus. Alors, je vais regarder un petit peu dans le statut. Nageoire. Ah, il me manque une nageoire rape pléchiote. Maître piégeur. Vous combinez les pièges à 100%, vous posez les pièges et les bombes plus rapidement. Expert capture, augmente la probabilité d'obtenir plus de récompenses pour les captures. Ah, c'est excellent ça! Carrément excellent. Réduit la probabilité d'être repéré par les monstres. Marathonien, la stamina diminue moins vite. Ah, on sera plus! Les actions utilisant progressivement de la stamina, donc par exemple courir. Et ensuite, annule les dégâts subis par la chaleur et la lave. Voilà. Sympa, n'est-ce pas? Vu qu'on va faire l'ouragan, eh ben, tu n'auras pas besoin de prendre des... Après, je pourrais augmenter le talent repas encore, par exemple, avec des trucs. Sinon, est-ce que... Mais Ah non, expert capture, il faudrait que je mette expert capture, il me faudrait plus 5 en capture. Je pourrais augmenter le talent capture, j'ai regardé s'il y avait un truc pour augmenter le talent capture, tiens. Et sinon, dans mon équipement, il faut que je regarde où est-ce que j'ai des... 1, 2, 3, 4, 5... Ok, je peux au moins faire 5 joyaux capture au minimum et ça devrait passer. Donc décoration, créer déco... Alors j'espère qu'il y a un joyau capture, ce serait pas mal. Musique. Quoi? Comment dire, j'ai bu un peu trop d'alcool et je suis un peu KO là. C'est bien. M'en fous. Dylan, j'en peux plus, relève-moi. Ah, y'a des joyaux experts ici, c'est stylé ça. C'est carrément stylé ça. Ils sont pas spécialement faciles à faire par contre. Faut des griffes de grand baguille, avec ça je pourrais m'en faire pas mal. Musique, pense à manger. Salut Joe Dardelli. Mais je pense que ce serait cool que tu t'accès artilleur. Oui, il voudrait que tu essayes la fusée arbalète. Je pense que ce serait cool que je max artilleur. Je pourrais, mais j'aimerais bien tester un peu le fusée arbalète, tout ça, mais il faudrait que je m'en fabrique un bon, alors on verra quand est-ce que je peux m'en fabriquer un bien. Le problème, c'est que ça demande vachement d'argent et tout. Le talent expert augmente l'affinité des armes. Non, je crois que le talent... Y'a pas un talent capture là, merde. Dégâts critiques. Ça augmente l'affinité des armes, donc tu fais plus de dégâts critiques, parce que justement l'affinité ça augmente les dégâts critiques. Donc il a raison, vous avez tous les deux raison. voilà. Mais sérieux, y'a pas de joyeux capture, ça existe pas ça.
Ah si, mais c'est très haut niveau ça. Même moi je les ai pas encore les joyaux capture. Or je suis rang 6 hein. T'es sûr, ça se trouve c'est sur un ennemi tout pourri que t'as pas pensé à dépecer. Non, il y a un truc, tu sais le truc que j'ai, la tranche en plus 1. Pour augmenter le tranchant, il faut une gemme d'Evijo pour le débloquer ça. Gemme d'Evijo pour augmenter de 1 plus 1 artana seulement. Par contre je pourrais me fabriquer des enduits. Faudrait 10 gemmes. Ah merde, il me faudrait encore une éponge immature, j'aurais pu me fabriquer des enduits cac pour faire plus mal au cac. Non, des enduits poisse. Pas mal. Venez, ça augmente les poisses. Venez. C'est un arc à poisse. Parce que sinon, je vois pas ce que je pourrais mettre comme joyeux. Joyeux objet, augmente le talent objet, je sais pas. Il y a plein de trucs. On pourrait me faire des joyaux, quoi. Déco, il y a 5 heures. J'ai vu le niveau d'Itachi tout à l'heure, 96. Hein. Sérieusement. Ça fait quoi le joyau lubie de nouveau? Vous pouvez me redire à quoi ça sert? Quand t'as lubie plus 10... La chance, c'est les flèches et les fusées arbalètes, les pioches cassent. Ah, t'as moins de chance que ça pète, c'est ça? Ça pourrait être pas dégueulasse, ça. Ouais, ça sert à rien. Ah si, c'est quand même utile. Oh. C'est mieux que... Attends, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Le talent lucidité, il manque des trucs. Le taillant convoyeur non plus. Lucidité, Ranger. C'est pour savoir où sont les anges. Ranger, vous vous souvenez à quoi ça sert, Ranger? Bah, alors là, aucune idée. Je sais pas. Piège. Piège, j'ai déjà augmenté le talent piège, moi. J'ai pas augmenté beaucoup plus. Aura de feu. Aura de feu, ça pourrait ne pas être dégueulasse à la limite, mais il me faut de la Gnactor et je vais pas. C'est bidon. Ouais, mais cherche un truc, un talent qui peut s'augmenter en 5 en 5 joyaux. Bah, tu prends bombardier si tu veux un talent qui s'augmente bien. Et c'est quoi, bombardier, ça sert à quoi? Ça augmente les dégâts des bombes, les attaques de poids, c'est tout ça. Ouais, mais les bombes, j'en utilise jamais. À la limite, autant prendre des arcs qui ont lieu, tir en arc. Blast, donc explosif, ça augmente. Ouais, tous les trucs explosifs, ça améliore en fait. Donc même les trucs sur les dégâts de l'arc et tout ça. Oui, même les tant que les dégâts de l'arc sont explosifs, oui, ça améliore les dégâts, oui. Et il me semble que ça augmente, je crois que ça augmente les attaques du feu de gouverne et tout de lancement. Et assurance, ça fait quoi? Le augmente le talent défense. Assurance, ouais. ça augmente la défense. C'est pratique ça. On peut avoir le talent défense plus... Pourquoi pas augmenter attaque? Non, ça fait quoi, assurance? Pas de défense, j'imagine. Non, mais ouais, mais ça augmente le talent défense, mais le talent défense, je sais pas ce que ça fait. Attends, je vais voir si j'ai pas un joyau assurance pour voir ce que ça peut nous dicter. J'en ai un en plus de joyau assurance. Là, j'en ai un. Mettre en vue équipement. Alors, assurance. Statut. Talent annulant les effets d'une défense abaissée. Ouais, donc ça sert à rien. Faire quoi? Bousier. C'est du genre, tu sais, quand tu prends les attaques électriques, elles baissent ta défense, ben ça t'empêche. Ça sert à rien. Il est où mon talisman de la mort? Ah, mais je peux me fabriquer des joyaux vitalité en fait. Ça peut être pas mal. Mais si t'as pas de champi dragon, ça va être dur. Hein. Ouais, mais il faut les cultiver. Mais j'en ai pas pour l'instant, c'est vrai. Les champi dragon, ça doit coûter 500. Genre. Demande ferme, cache. Ah ouais, c'est vrai, il a fini à ferme. Non, champi dragon, 300 pièces. Enfin, 300 par tour. Le talent séisme. De toute façon, j'ai pas de nibble snarf alors. Oh. Cultiver, qu'est-ce que je cultive? Talent chaleur, je l'ai déjà, donc on s'en fout. Sinon, je peux me faire des joyaux froids, hein. Augmente le talent froid pour résister au froid, hein. C'est pas mal aussi. Hein. Moi qui oublie toujours des trucs, mais il me faut du baggy, j'en ai pas assez, fuck! J'ai toujours des boissons fraîches chez moi, donc.
Et essaye de voir en fonction des talismans que t'as. J'ai déjà regardé. Prendre des trucs pour les enduits. Je peux augmenter. Bah oui, mais les trucs pour les enduits, justement, j'ai regardé, mais. Oh, j'ai un œuf d'or. 20 000 Z. Oui, bien vu, mon bateau. Je suis fier de toi. Oh, ce qui me fait 40 000. D'ailleurs, il m'a ramené butin de pirate. Alors, ça, je sais pas à quoi ça sert. Butin de pirate. Trésor de pirate. Augmente le talent précision, ça fait quoi ça? Précision, c'est pour la fusion. Ça réduit la déviation, je crois. Normal G, perçant G, ça c'est pour les. Appuie directement sur moins si tu as le talent au lieu d'avoir le nom des joyaux. Perçant plus, c'est pour les mines ça. Perçante, bah, c'est les flèches perçantes ou les munitions perçantes. Ah, je peux me faire des trucs poison à la limite, mais j'ai pas assez de poches de poison. Je peux me faire des... Ah mais non, mais les enduits paralysie, ils sont trop... Non, ça fait chier. J'ai augmenté les enduits sommeil, mais ça sert à rien. Essaye de mettre oui. Essaye de mettre le talent oui. En fait, je crois que je vais me fabriquer des enduits cac. Enfin, des trucs pour les enduits cac, mais... Il manque encore une éponge immature de l'hydrote. Oui. Non, mais regarde, t'as pas été pour le talent oui, ça sert pas grand chose, en général. Si t'es bien placé, t'es en dehors de la portée du cri. Oh, y a un bombardement. Artillerie, ça fait quoi? Hein? Ah, artillerie, je sais pas. Ça doit être c'est un truc pour le fuseur balayette, je crois. Moi, je vais me fabriquer des enduits cac, en fait. Enfin, des trucs pour enduits cac. Il manque juste une éponge immature, ça fait juste chier, mais bon. Moi je te dis, essaie de mettre oui. Regarde, t'as pas des talismans avec oui. Mais non, mais non, non, je peux pas en fabriquer. Je regarde ceux que je peux fabriquer, pas ceux que je peux pas fabriquer. Donc je suis à plus 8 en voyant en du cac. Ah mais non, c'est un talent qui te permet de pouvoir appliquer les enduits en fait, c'est ça? C'est-à-dire que si oui, je me... ça permet de... Ah de mais je suis con, j'aurais dû fabriquer autre chose. Je vais pouvoir me fabriquer des enduits poisses pour pouvoir mettre des enduits poisses, c'est beaucoup mieux. Ça, il coûte un petit peu cher les enduits poisses. Ah non. Deux cuirasses, trois qui deux, pour un truc qui en donne deux. Bah, je m'en fous, j'utilise pas de trois qui deux. T'as un talisman quota aussi? J'en ai... Il faut des pépites lave aussi. Bah, j'en ai assez des trucs pour fabriquer ça. Deux. Ah, Mizzy, t'as regardé tes talismans aussi? Cinq, voilà. Pour voir s'il n'y en avait pas qui était intéressant. Non, mais c'est bon, j'ai ce qu'il me faut en fait. Alors, par contre, après, il faut les crafter les enduits de poisse parce qu'ils s'achètent. Moi, tu l'utilises que contre des monstres qui en ont besoin, et puis c'est tout. Voilà, ça, c'est bon ça. Alors j'aimerais regarder juste un truc au niveau du talent. Ah, je suis à moins 15 en foudre, c'est chaud. À partir de combien tu te tapes une faiblesse en fait dans un truc? C'est n'importe combien de points t'es forcément faible.
pour les résistances, c'est pas comme les talents. Hein. Si t'as moins 1, tu prends un peu plus de dégâts de feu, par exemple. Si t'as moins 1 en feu. Mais ouais, mais quand t'as plus 10, t'es résistant. Si t'as pas plus 10, t'es pas résistant. Et c'est ça le truc. Les talents et les résistances des talents, c'est pareil. C'est pas un talent, mec. Là, t'as des résistances. Ce que je t'explique, c'est que tu vas dans ton statut. Ouais. Les endroits où j'ai plus que 10 dans une résistance à un truc, j'ai une petite icône à côté, ce qui veut dire que je suis résistant à ce fameux élément, tu vois. Ouais. Les trucs où j'ai moins, j'ai pas l'icône. Ce que je t'explique. Est-ce que j'ai ta carte musique? Ah non, je l'ai pas. Mince, je voulais voir tout ça. Si, tu l'as. Non, ta carte, je l'ai pas. Si, tu l'as. Je te l'ai envoyé hier au moins, au minimum. Oh. Ça, j'en ai reçu. Bref, non, regarde, j'ai à peine de la reçu. Oh là, c'est à la... quoi je ressens? Oui. Tu peux les acheter au moins les ondes du poisse quelque part ou... Faut les craft. Allez, on y go. On fait quoi comme quête, Uragan? T'as mangé pas? Voilà, et bon, vous pouvez manger. Ils achètent pas les enduits poisse, Léo? Non, enfin pas pour l'instant en tout cas. Oh putain, oh putain. Je suis plutôt bien, vous voulez qu'on prenne des bombes barils et tout, et des pièges ou... Ouais... Les enduits qui endorment. Et on le capturera aussi après. Prenez des grands bombes barils plus tous, où il endort l'uragan. Dès qu'il est endormi, on nous pose tous nos bols à la porte et peut-être... Il faut que j'en fabrique des bombes barils. J'ai plus ce qu'il me faut, il me semble. Plus les poissons ou les trucs qu'il me faut pour ça, ça va me coûter encore une fortune. Du coup, j'ai pris ce que j'avais sur moi et puis voilà. J'ai plus 150 000 maintenant. J'ai un grand bombe baril plus, j'ai un petit trois petits bombes barils plus et quatre petits bombes barils. Attendez, je reviens.
Dites bonjour à votre ami le Lajek russe. Vous m'avez l'air tout appétissant. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu me regardes? T'as un problème? Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Vas-y sale bâtard de Curtis, tu manges des hamburgers maison. Moi ce soir je mange des petites cuisses de pintade avec une sauce au cidre. Attendez, je vais essayer de vous faire un stand pour l'AGM. Merde. Ah, il s'est pété la gueule. Les défoncé le monde Lajek russe. Parce qu'il est en kit, hein, le Lajek russe. Hein. Regardez, il perd sa mâchoire. Alors, est-ce que je vais réussir à le faire tenir correctement? Avec un peu de chance. Ça manque de lumière ici, attendez un petit peu. Je vais monter la lumière parce que sinon vous allez rien voir. Oh, on va partir en guette pendant que t'allumes la lumière. Trop de lumière. Trop de lumière maintenant? Mais non, c'est qu'une impression. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière. Mais c'est la caméra, je sais pas pourquoi elle doit se mettre en mode... Attendez. Je vais vérifier un truc. Parce qu'en fait, je crois que j'ai des... Des trucs dans le réglage de la cam. Viens de te critiquer. Non, pas ça, ni ça. Non plus. La saturation augmentée à fond. Regardez-moi cette caméra. C'est trop moche. Non, mais tant pis, comme ça, c'est bon, ça. Ça va durer un quart d'heure, déjà. Ouais, musique. Musique, dépêche-toi. Mais un quart d'heure. Un quart d'heure, bien sûr. Un cul. Putain. Un quart d'heure. Bah, j'ai une pause piégée, hein, si ça... Et un piège à chaud pour le capturer après. Ouais. Et c'est là qu'il y en a, il va dire... Ah, oh, j'ai oublié les breuvages prêts. Mince alors. J'en ai rien à foutre. J'en ai plus besoin. Maintenant que j'ai mon armure en pédiatre aussi. C'est pas pour rien que j'ai demandé de la faire, hein, les gars. Au secours. C'est encore moi qui me le chope. Vas-y, galeux, hein, j'avais pas besoin. Ouais, mais bon, c'est quand même beaucoup moins essentiel, quoi. C'est vrai que j'ai déjà un rouillé-car. Vas-y, occupe-le, c'est très bien, musique. Hein. Mais arrêtez de farmer, putain, vous êtes casse-couilles. Il a dit qu'il devait manger dans un quart d'heure. Oui, mais c'est pas pour autant, je farme pas. Et vous, ah, vous allez farmer. Qui doit manger c'est dans un quart d'heure? Moi, Léo, Frix, le machin et puis. Mais dans des pédales, tu il y a un ancien braquet. Tiens! Tiens, c'est bizarre, il y a un objet là qui a été du coup. Non? Ah non, c'était mon défense féline, d'accord, ok. Ah, oh, il m'a vu, j'ai peur. J'arrive. Allez, venez. Hey, bah, moi vite. J'avais le temps de poser mes bombes. Faut ça dans ta face.
mettez pas les bombes avant parce que si s'il si arrive en courant, qu'est-ce que je disais danser. Ah bah nous on en a pas emmené par contre. Tiens bon. Oh. Attends, les bombes vont exploser. Mais non, ah, je vais faire péter ses propres trucs dans son dans sa tête, mec. Pour qui tu me prends, ouais. Tout était prévu. Ouais, non, vérifie toi. Oh. Merde, j'aimerais poser mon grand bombe baril, mais du coup je peux pas. Attendez, attendez, tapez pas dedans, tapez pas dedans. Les Rhénoplos, oh putain. OMG. Bah ben voilà. Il a forcé comme un bourrin. Ah mais... Ah ça y est, il a déjà pété le menton, c'est cool. Ah, GG les gars. Aïe. Voilà, mâchoire pété. Allez. Ah, là on l'a pété. Putain, bonne bilan. Bon, Mais qui va gagner? Personne n'aurait eu la bonne idée Dylan, de prendre... Dylan, c'est vrai, il a pas trop mâché. Attends, Dylan, viens. Toujours pas. Dylan. Il est où, Dylan? Je vois pas. Il est en train de pouvoir partir. Dylan, là. Dylan, bon, je vais me faire exploser parce que... Hop. Pra. On le tue ou on capture en fait On capture, on capture. On est deux à avoir l'armure plaisir donc... Ouais, capturer c'est beaucoup mieux en fait. Pour nous en tout cas. Allez. Waouh. Oh putain. Ça y est, il est empoisonné les gars. Préparez-vous, je vais essayer de le paralyser si je peux. Ah, je ne peux plus jouer. Ça commence. Parfait, musique. Non, oh non, oh non, oh non, saleté. Bon. Là, moi j'y peux rien s'il se barre, mec. Hein. Eh non, il n'y a pas de souci à lui. Vous posez pas les pièges au meilleur moment aussi. Au début, je change de zone. Ah, on peut le casser une fois. Ouais. Je crois qu'il est par lui. Ah lui il va pas me saouler par contre lui. Hein. Il est gros le bol bidon là non? Il a l'air ouais. C'est peut-être qu'une impression. De toute façon j'ai déjà frappé plus gros. T'as deux boules dans le... sur la même quête. Allez, quand est-ce qu'il se fait paralyser, là? Il se fait rouler dessus. Oh oui! Attaquez-vous! Et dans les pattes. Non! Sérieusement! Allez, il devrait bientôt se faire... C'est qui m'a empêché de faire mon feu de wyvern? Ça y est! Allez, j'étais seul en du poisse, du coup. Non, c'est qui m'a touché. J'ai coupé la tête. Bordel, arrête de faire tes trucs. On s'en prend la gueule. Il va me saouler par contre le Nozorgo, tu vois. Merde, je me fais paralyser par le Volvi. Eh, il va vraiment me saouler. Ah, le Volvi, il va me défoncer. Excusez-moi, les chers amis, je dois me barrer d'ici. Très très vite. Dylan, il se fait défoncer. Okay. En plus, j'ai failli me faire défoncer à cause de lui. Il commence à donner des coups de katana dans... Enfin, de katana, je sais pas quoi. Non, d'épée dans mon bouclier. Je commence à perdre ma stamina. Oh putain. Non, mais le Volvi, il est saoulant. Mais vraiment.
fait la queue, mon coco. Son dos est pété, je crois. On peut le péter son dos, je savais même pas. On peut même le miner s'il tombe, je crois. On dirait bon. Tire pas sur la queue, parce que si elle tombe dans la lave, on est un peu dans. Non, mais de toute façon, ça la touche pas les flèches. Tu peux tirer autant qu'il veut dans la queue, ça va pas la couper. Il boite ? Ah ! Il boite ! Oh, bon, ok. Vous voulez mon piège? J'en ai un sur moi. Vous avez besoin du mien, je pense, non? Ah, moi je peux pas poser de piège à chèque. Mais moi je peux couper sa queue. Je peux pas poser de piège à chèque parce que j'ai déjà mon piège, ma pose que j'ai qui est posée. Donc, bah ouais, c'est bon, je l'ai. Mais j'ai bien envie de couper sa queue quand même. Préparez-vous, je pose le piège. Je vais encore 2-3 coups. Les mecs, vous êtes sérieux? Oh, tu me fiches. Il reste un piège ou pas? Un piège, t'inquiète. Oui, j'en ai un. Oui, j'en ai un, mais je peux pas le poser tant qu'il y a ma poussée en fait. T'inquiète. Oh là là, on est des TGM. Dylan! Viens ici. Si tu le tues. Dylan, toi, je tue pas. Si tu le tues. Si tu le tues, je prends une musique qui te déteste toute sa vie. D'un coup il est nul là, tu vois. Léger. Multi-attaque. Et Kai Uragan plus. Hey, oh, peu de politesse. Putain, celui-là, on l'a étrangement complètement défoncé comparé à... Non, arrêtez les gars, faites pas de la merde. Ah, je vais prendre le Mnabra là par contre. Ah, ça c'est intéressant. Fluide monstre, oui! On avait besoin d'un fluide monstre en plus. Oh, 2-1 pour. Ah, il est content! Ah, oui, il est content! Oh! Oui, beaucoup. Yeah. C'est des bébés Pokémon, ouais, c'est ça. Non, gaffe, que vas-tu? Du Scooptoom. J'ai du Scooptoom et une moelle d'ouragan. Bon, bon, d'accord. C'est bon ça. Oh, tranchant plus 3. Oh oui. Comme un ouragan. Personne n'a eu de rubis là. C'est Dieu qui te parle. Je crois que je viens de débloquer la quête urgente à mon avis. Moi aussi normalement. Mais moi je pars. Je pourrais peut-être pas me reconnecter à 20h50, donc si on pouvait faire le gène mourant maintenant. Parce qu'après on pourra pas le faire je pense. Non moi je vais aller manger. Je pense qu'on va tous aller manger. Tu vas manger maintenant? Ah c'est le lage à crucivoire. Ah oh. Vous allez faire un. On va se faire un lage à crucivoire après. Non mais on sait que toi t'es trop fort. Nous on l'a encore jamais fait, on sait pas. Mais non. Ah, il est sur terre en fait, il est pas aquatique. C'est pour ça qu'il est facile. Ouais, pas forcément. Hein. Yeah mon frère. Oh, non. Mon frère. Ne. Attends. Ici, oh.
Ne tuez pas mon frère. Je vous en supplie. Ne lui faites pas de mal. Il n'a rien fait. Ah mon dieu. Et pourquoi il me parle pendant 50 fois le vieux là? D'accord, maintenant il file un ticket, d'accord. Il sert à rien en fait. Un peu useless. Bah les tickets c'est pour donner aux... à l'ancien légume. Ouais je sais, mais il faut les garder sur soi et on lui file après, c'est ça? Et après ça upgrade les objets qui te filent ou c'est quoi le truc en fait? Il te donne des trucs spéciaux je pense en fonction des tickets que tu lui donnes. Faut pas dire ça. Peu importe la map depuis laquelle tu viens. J'avais eu deux potions de démon qui est activée. Bah non je vois pas. J'avais donné deux tickets, deux potions de démon. Bon bah sur ce je vais manger tout à l'heure. Donc je déconnecte. Voilà. Tiens, on va prendre ma place. Ah ouais, mais non, c'est moi l'autre. Bon, bah, vous recréez la salle. De toute façon, bah ouais, non, mais attends. Au pire, reste connecté pour l'instant. Quoi? Reste connecté, hein, au pire. Le temps que tu manges. Personne veut prendre ma place? Laisse la salle ouverte. Bah, je pense pas, là, de toute façon. Nous, on va bientôt aller manger et tout, donc on sait pas trop combien de temps. On va devoir faire une pause. Donc on fait quoi là? Manger ou... Je sais pas, on peut regarder ce qu'on a besoin de faire. Je sais que j'ai des fluides, par exemple j'ai des fluides monstres à les farmer, c'est des trucs tout cons mais voilà. Moi il me faut des poches de givre pour améliorer mes armes. Comment ça? Je peux faire du farm rapide. Je sais pas quoi. Ouais, Digium. Sinon, moi je retourne peut-être en solo vite fait, en fait, je crois. On va faire ça comme ça, et quand on a tous fini de manger, tout ça, bah on se retrouvera. C'est pas difficile hein, si tu farmes très très vite avec d'autres gens, tu iras beaucoup plus vite que nous. Hein. Et... Dax, il a pas fait une phrase complète là. Je dois me mettre, enfin essayer au niveau de musique. Oui, je dois me mettre au niveau de musique. C'est juste sa phrase. C'est juste qu'au lieu de mettre des points, il peut mettre... Non, c'est le enfin essayer, ça fait... La phrase elle est proche après, avec enfin essayer, ça veut plus rien dire. Mais si, ça veut dire qu'il doit se mettre, ou du moins essayer de se mettre à mon niveau. Essayer de jouer. Comme il dit. Je sais pas moi. Ah ouais, je pourrais prendre des dents du poison avec l'arc, pourquoi pas, ouais. Je vais essayer ça. Merci de l'information. Tant que l'arc il fait pas trop mal, ça doit pouvoir marcher, ouais. Hein? Je vais essayer ça, ouais, merci. Lui, de mon. Mais putain! C'est sur moi les trucs? Les bombes? Bon, on fait un bariote maintenant. Faites ce que vous voulez, vous, moi je vais retourner vite fait en solo. Donc j'améliore plusieurs armes, à savoir la grande épée rouillée déjà. Il faut deux fluides monstres pour ça. Il faudrait que je farme encore deux trucs. Du brouet monstre peut-être pour ça, pour les dagues là. Moi je vais aller faire... Non, du bnabra et du brouet monstre, ouais. Aussi. Il faut des cristals peut-être.
On va faire comme d'hab, hein. Hop, voilà. On va en envoyer un à la côte Moga. Avec le cherche poisson, le trouve poisson. On va se ramener quelques poissons. Et le dernier. On va envoyer de nouveau aux eaux sombres pour se faire des thunes. Voilà. Pour l'instant là je suis tout seul, ouais je vais rester en solo, enfin tout seul entre guillemets. Puisqu'on va tous aller manger tout ça, donc du coup je suis parti un petit peu en solo. Histoire de farmer 2-3 objets pourris. Est-ce que j'ai d'autres MH? Oui, je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'avais le Monster Hunter 3 sur Wii et j'avais aussi le Freedom Unite sur PSP. Dans les quêtes du début là, il n'y a pas... Pas une quête sans Altaroth mais avec des petits... Avec des Bnabras, peut-être t'auras en 3 les Bnabras, vous me direz. Ah ouais, ici. Je sais pas lesquels ont plus de chances de donner des fluides monstres d'ailleurs. On va les manger pour gagner plus de récompenses en fin de quête, ça pourrait nous aider. Je sais plus comment faire ça d'ailleurs. Comment il s'appelle? Chat chanceux, voilà, c'est ça. Allez, chat chanceux. Non, fuck you! Ouais, éviter de parler de crack dans les lives, ce serait pas mal. Sachant que c'est légèrement rediffusé sur YouTube, c'est pas très conseillé. Oh, le triplé. Non, Chacha, revenez là.
Hey Amba, les tue pas. Quelle quête passionnante. Chercher des objets pourris pour augmenter sa lame dragon. Il y a des chats partout. Secours ! On va piquer une méga potion, sans foirer. J'ai tout ce que je sauf que je veux en fait. C'est plutôt embêtant. Ah, il y en a un paquet, dis donc. Merde. Non, il était pas dedans. Oula. Allez, trois d'un coup. Je me dépêche avant que les cadavres disparaissent. Et je reçois que des estomacs, je veux du fluide monstre, moi, d'habitude ils en donnent. Oh fuck, putain. Les deux en même temps. Voilà. Ah bah voilà un fluide monstre. Allez, on va essayer de fermer les deux autres là-bas en attendant. Allez, foncez-moi dessus. Mais non, mais donnez-moi du fluide. Deux fluides, apparemment. Non, j'en avais déjà deux sur moi. Et un seul. Ça devrait être assez pour augmenter mon épée, par contre. Est-ce que le boomerang tue les insectes sans les détruire ou pas? Il me semble que tu peux... Ouais, tu peux tuer les insectes sans les détruire avec le boomerang. Il me semble. Je... Je pourrais pas être sûr, mais il me semble que moi les chachas en tout cas, ils arrivent à pas le tuer avec ça.
pas ça que je voulais faire. Donc maintenant vous avez la lame antique que je peux me fabriquer bientôt. Voilà, en dragon aussi. Celle-là, elle commencera à avoir du dragon seulement, voilà. Seulement, le souci, c'est que cette fameuse lame, il faut des cristaux de terre encore plein pour les fabriquer. Malheureusement. Heureusement. Non, il faut aller tuer du Bna Abra en rang supérieur. Pour me fabriquer ça. Pas trop aller pour faire ça d'ailleurs, donc pareil, il y en a pas mal dans le désert, je crois. Le problème, c'est des bnabra supérieurs, il faut que j'aille être multi. Ah, on va en fabriquer quelques-unes si on peut. Ultimate, est-ce que c'est une version qui regroupe tous les MH? Pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est un remake du 3, avec les monstres de base du 3, mais qui reprend certains monstres des anciens épisodes, mais pas tous. Mais c'est un genre de condensé un peu, ouais, voilà. Avec un peu des mobs de tous les opus. Récents en tout cas. Regardez un petit peu ce qu'il peut me faire comme quête. Quête de haut rang, un groupe d'Altaroth. Ben voilà, c'est parfait ça. C'est exactement ce qu'il me faut. Enfin, je crois, hein. Normalement, ça c'est déjà en rang supérieur. Donc ça devrait être du plus, donc ça devrait fonctionner. Ça a envoyé 4 mecs pour faire la quête. Truc de ouf. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. J'espère qu'ils vont me ramener plein d'objets. Ouais, tu as ces 3 ouragans à la suite. Pour farmer les mobs, ça. Pleine de sable. Je vais aller voir là-bas si. Il y a pas mal de Bna Abra, tout ça.
Et là, malheureusement, j'ai fait le con. Fait le con parce que j'ai pas pris de breuvage. Mais je m'en fous du coup. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas besoin de breuvage frais, j'en ai rien à fiche. Alors là, par contre, ce qui m'emmerde, c'est de savoir. Qui sont les Bnabra? Les Bnabara, ou je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être en 8. Partie d'entre eux. Je le disant, les monstres principaux c'était des Altaroth, hein. Je les en ai toujours pas vus. Hein. Il faut commencer à farmer les cristaux de terre à mort si on en trouve. Pas l'air d'en avoir beaucoup ici. Ouf ça, bim. What? Le vol bidon qui apparaît en même temps. Il sort de nulle part. Un vol bidon dans le désert en plus. Par contre, vous pouvez me croire que je vais pas le faire celui-là. Il n'y a pas de Bnabra, ça fait chier. On a peut-être du côté du 1, 2, tout ça. On va aller essayer ça. Et là, de toute façon, je vais pas rester avec le Volvi. Un Valbidon. Le jeu de mots, quoi. Et des Bnabra vers là. Peut-être dans le 6. Peut-être en 6, ouais. Des chances là-bas. Il est pas passé dedans? What the fuck? C'est l'heure d'utiliser des enduits poison. Merde, putain, je vais utiliser tous mes enduits poison dans le vent. Voilà. Deux enduits poison pour ça. OMG. Au moins on aura eu un fluide monstre, mais non, ils peuvent même pas me donner un. Oh sérieux. Ils peuvent même pas me donner un brouet quoi, non ils me donnent un fluide tout pourri. Je fais plus d'études, j'ai fini les études, je travaille. En fait, j'ai commencé YouTube quand j'ai fini mes études. C'est-à-dire quand j'étais plus ou moins au chômage. Maintenant, pendant que je travaille, voilà.
Comme boulot, je suis ingénieur, voilà. On dirait pas plus. Vous m'évitez de divulguer trop d'informations sur soi sur internet, si vous voulez mon avis. Ouais, vous avez crevé là. Oh putain, Chacha, mais quel con. Voilà, ça se passe bien, hein. Pour l'instant pas grand chose à faire, hein, pour les deux premiers jours on va dire. Pas non plus, enfin les deux premiers jours, les deux premières semaines. Pas non plus... Y'a pas d'obnés à bras ici? Cache de gueule, ouais. Ah, c'est DIC professionnel. Tu pourrais en dire un petit peu plus là-dessus? Ah bah voilà, ici y en a plein. Voilà. Enfin, il a explosé du coup. Merci les chachas qui servent à rien. Ouais, non, mais non, c'est mort. Enfin, je veux dire, y en a qui ont été assez cons pour divulguer ce genre de d'informations. Vous pouvez divulguer des trucs, mais bon, si vous donnez tout, votre âge, votre profession et tout, les gens ils retrouvent votre adresse comme ils veulent. Hein, je peux vous le dire. Voilà quoi. C'est bien de donner des infos sur soi, mais bon, il y a des trucs. Ça vous sert à rien de savoir ce genre de trucs en plus. Toujours demander pourquoi les gens se posaient ce genre de questions. Encore que vous vouliez savoir mon âge, je comprends. Mais savoir ma profession, je vois pas ce que ça vous apporte de savoir ça. Pour savoir ce que vous allez faire plus tard, que je sois votre exemple. Ah, il a fait ça comme étude, tiens, si je faisais la même chose. Pas déconner, c'est à vous de choisir votre voie, c'est pas moi qui... Enfin, voilà, je sais pas. Il a explosé direct. J'ai oublié de les appeler les chachas pour pas qu'ils fassent de la merde. Viens là, toi. C'est pas une quête, je suis en train de farmer des mobs en fait pour. Pour récolter des objets dont j'ai besoin. Pour augmenter des armes.
Mais parce que nous, c'est pas comme des amis. Nous, il y a sur Internet, là, il y a des gens qui, voilà, il y a des gens, ils sont fous. Il y a eu des histoires comme ça sur des gens qui sont connus, qui ont eu des problèmes à cause de ça. Parce que eux, ils sont connus, tu vois, comparé à tes amis. Le jour où j'aurai, je sais pas moi, 30 000 ou 100 000 abonnés, si un jour ça arrive, ah ben, des gens qui connaissent des informations sur toi, je peux te dire que ça peut être un problème. Pourquoi tu crois que les stars, entre guillemets, ils filent pas leurs adresses ou des trucs comme ça? Parce que sinon, il y aurait des gens qui seraient toujours chez eux en train de... Soit de leur vouloir du mal, soit de les faire chier, quoi. Non, mais enfin voilà. Bah, d'ici là, il y a le temps, mais je veux dire. C'est peu importe. Le jour où j'aurai 30 000 abonnés, imaginons, hein. Même si je le dis maintenant, les trucs là. Les gens qui reverront cette vidéo très très longtemps après, bah, ils auront quand même ce qu'ils veulent dans. Voilà. Enfin, je veux dire. Enfin bref, y a pas matière à débat là-dessus, je veux dire. Pas non plus vous donner mon prénom et mon nom de famille, quoi. Enfin, pas pour l'instant, mon prénom à la limite, mais... Pas déconner non plus, quoi. Il n'y a plus d'Ebnabra ici. Retourne en 6. Mon con chez Sacha, ils font n'importe quoi. Putain, mais sérieux! D'où ça fait aussi mal, quoi? Bon, je crois que je vais livrer mon ticket et revenir. Je vais devoir aller manger aussi bientôt, mais... C'est ça, mais comment t'as deviné que je m'appelais Godefroy en fait? C'était trop perspicace. Et mon nom de famille c'est Montmirail. Vous savez pas? Le Godefroy de Montmirail. Maintenant vous savez tout. En fait, j'exerce aucun métier, je suis un visiteur du passé. Voilà. Il a pris une machine à remonter le temps de Léonard de Vinci pour venir jusqu'à notre ère. Ère où j'ai découvert Monster Hunter et maintenant j'ai plus envie de retourner à mon époque. Parce que je pourrais, même si je retourne à mon époque avec une Wii U, l'électricité ça marchait pas à l'époque donc. Ah, je suis en train de faire n'imp. Je vais aller au campement en fait. Je connais Looper, plutôt Hooper, non? Le Hooper. Qui Looper? Je connais Hooper, mais pas Looper. Papa.
Ouais, n'importe quoi, je vous jure. J'ai même pas eu de carapace de Bnabara, je crois. En fait. Ça craint. J'ai eu des ailes et tout, mais j'ai pas eu les carapaces. J'ai eu 3 ailes, mais putain, comme je me fais troll. J'ai eu le droit à un brouet monstre, par chance. Non, combien de temps ils viennent, ils reviennent, les gens que vous avez envoyés en quête? C'est lui, il faut que je lui reparle ou quoi? Au bout de combien de temps ils reviennent quand vous les envoyez en quête? Musique fait du solo? Non, je vais aller manger pour l'instant et après je sais pas. Après il faudra qu'on... Après, en fait, il faudra qu'on passe rang 5, en fait, si vous voulez savoir. Il y aura une quête urgente, normalement, je pense, le jeune Moran, et là, ce sera intéressant. Là, vous allez voir un truc de ouf. Vous allez voir un vrai truc de ouf. Où est-ce que j'ai trouvé mon pseudo Music Box? Je pense que ça paraît un petit peu évident. Music Box, ça veut dire boîte à musique en anglais. Je suis musicien, tout simplement. Voilà d'où j'ai trouvé ce pseudo. Voilà. Et ça, au moins, c'est une question à laquelle on peut répondre, qui est intéressante. Voilà. Non, je suis pas ingénieur du son. Non, je suis pas ingénieur du son, non. J'ai tenté, hein, pourtant, avant, mais non, 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 je... Je suis ingénieur dans tout ce qui est un peu chauffage, climatisation, ventilation, tout ça. En fait, je suis chef de projet, en fait, voilà. Je gère un petit peu tout ce qui est... tout ce qui est les effectifs d'hommes qui vont travailler sur des chantiers, et puis je m'occupe de faire les offres... un petit peu de dimensionnement d'installation aussi, bref, plein de choses comme ça. Technicien de surface, ça m'a toujours fait rire ça. Parce que maintenant t'as plus le droit de dire femme de ménage en fait. Ah, c'est sympa ça, regardez le fuseur balette, il a certaines mines tranchantes qui permettent de couper des queues si besoin est. C'est intéressant ça. Vous avez plein de trucs comme ça, des mines, mais ça coûte super cher en fait, tout ce qui est munitions de fuseur balette. Vous pouvez en emmener un paquet de munitions en fait aussi, c'est ça le truc, par rapport à l'arc. Mais vous êtes obligé d'avoir des munitions, sinon vous ne servez plus à rien, je crois. Même si les mines normales sont infinies. C'est un job qui coûte cher. Il faut aller farmer les poissons, pêcher, tout ça pour fabriquer des objets. Le Rathian et Rathalos, ils sont dans toutes les versions. C'est le monstre qui n'a jamais changé d'un Monster Hunter à un autre. Ils y sont toujours. C'est la question, c'est même pas la peine de poser. Je pense que dans Monster Hunter 10, il y aura toujours le Rathian et le Rathalos. Hein. Enfin, c'est les monstres emblématiques du jeu, donc... Je sais même pas ce que je suis en train de faire, là. C'est même pas ça que je voulais faire, putain. Je fais n'importe quoi. Ah si, je vais m'acheter des enduits poison de nouveau. Vous sur le chat, vous me perturbez. Ouais.
Tiens, tiens, tiens. Quelle est cette arme? Ah, une arme d'ouragan, tiens. Intéressant. Oui, il y a un truc qui vole en plein milieu, là. C'est quoi ce truc? C'est l'étui qui est comme ça? C'est dégueulasse, l'étui. Ah d'accord, elle s'embroche dans l'étui, c'est marrant ça. Sympa. En fait, il fait d'énormes dommages. Mais il a une affinité pourrie. Par contre, il augmente la défense. C'est assez intéressant. Et le tranchant est moisi un peu, en fait. Moi, j'aimerais ça. Il faut que je forme du Narga, là, pour me faire ça, là. Trop, 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 je veux, quoi. Bon, là, il faut un max de cristaux de terre pour augmenter ma lame. Et là, il me faut encore combien de trucs, là? Il me faut encore 3 brouets de monstres et 3 cuirasses. Putain, ça va être relou. Écoutez, je vais peut-être couper le live très très vite fait. Je pense que je vais aller manger, donc ça va faire une petite pause d'une demi-heure environ. Et je reviendrai, je vais juste aller vérifier si je mange déjà ou pas. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Tout simplement bah, pour du jet de morale, je pense. Quand les autres seront revus. Oh mon dieu, je suis fatigué. Bon allez, je reviens tout de suite et je vous dis si je pars manger ou pas. Bon, et eh bien je mange et on se retrouve vers. D'ici une petite demi-heure. Vers 21h15, je pense. Title. Je coupe le stream, je le relance vite fait pendant la pause, histoire que vous ayez toujours un petit peu un écran ou quoi. Et puis on se retrouve après, voilà.